Aujourd'hui, ce scandale-là montre à quel point les gens sont désespérés, les gens sont en perte de connaissance parce que ils pensent que aller donner son corps, aller faire des pratiques où il faut s'humilier pour avoir du succès, toutes les femmes et toutes les filles ne sont pas pareilles. Mais il y en a toujours qui veulent gagner rapidement l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce scandale-là? Il y a un réseau bien organisé avec des influenceuses qui ont arnaqué le scandale qui se passe à Dubaï, Portapouchi, où les riches personnes arnaquent et défèquent sur les femmes en leur miroitant monts et merveilles. Aujourd'hui, les jeunes filles et les jeunes garçons, hein, et les jeunes garçons, surtout de la génération 2000, est en train de devenir un grand problème d'éducation. Beaucoup des individus, même s'ils ont le bac, ils veulent devenir riches rapidement et parfois avec des pratiques qui ne sont pas des pratiques honteuses. Le scandale qui se passe en ce moment à Dubaï, où il y a un réseau d'arnaques, et parce que l'une des filles qui a été arnaquée, celle qui a avalé carrément les matières fécales, celle qui a avalé, elle s'est suicidée, perd son âme, relève l'ampleur de comment les gens, beaucoup de gens sont en difficulté. Et pour s'en sortir, ils préfèrent vendre leur âme, vendre leur corps. Hein, vous voyez surtout les femmes, hein, vous voyez surtout les femmes. Regardez les femmes aujourd'hui, comment elles sont. Leur corps est à moitié nu, leur corps est à moitié dénudé. Surtout, surtout les jeunes filles de la génération, surtout les jeunes filles de la génération l'an 2000, cette génération est en train de sombrer, pas toutes, hein, pas tous, hein. Faut pas toujours mélanger. Attention, faut pas toujours mélanger parce que toutes les femmes et toutes les filles ne sont pas pareilles. Mais il y en a toujours qui veulent gagner rapidement l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce scandale-là? Il y a un réseau bien organisé avec des influenceuses qui ont arnaqué l'influenceuse ougandaise. La fianceuse ougandaise. Celle qui a avalé, hein, celle qui a avalé, parce que elle s'est fait arnaquer. Et on a lâché ses vidéos en ligne. Et comme vous voyez, hein, c'est un scandale, c'était une façon de l'humilier. C'était une façon aussi d'humilier les femmes africaines. Alors, les femmes africaines, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont perdu les bonnes valeurs. Les bonnes valeurs, comme vous voyez les femmes, hein, vous voyez cette photo-là. Ou cette photo-là. Vous voyez la différence entre les deux images. Voilà comment nous, on a grandi avec nos mamans. À notre époque, tu ne pouvais pas voir une femme la moitié de son corps. Hein, la moitié de son corps. Tu ne pouvais pas voir ça à notre époque. Ce qui fait que nous, jusqu'à 18 ans, moi, jusqu'à 18 ans, hein, j'avais pas de téléphone. J'avais pas de téléphone, donc je savais pas aller dans les sites illicites, je savais pas ça, parce que j'avais pas un téléphone. Et ça, aujourd'hui, les enfants de 12 ans ont des téléphones. Et à chaque fois, ils surfent dans les sites, ou quelquefois, c'est des sites qui ne sont pas autorisés, mais les enfants, ils sont là. Aujourd'hui, ce scandale-là montre à quel point les gens sont désespérés, les gens sont en perte de connaissance, parce que ils pensent que aller donner son corps, aller faire des pratiques où il faut s'humilier pour avoir du succès, juste parce que on t'a promis de l'argent. Et beaucoup de nos filles pensent que c'est de cette manière-là qu'il faut gagner l'argent. Moi, ce phénomène-là a pris de l'ampleur dans les années 2000, 2010. Hein. Il y a maintenant beaucoup de métiers, des métiers qui sont pas réglementés, comme des métiers d'escort girl, des métiers où des femmes sont payées
pour accompagner les hommes au restaurant, accompagner les hommes à la plage. Les hommes, il y en a certains qui vont partager leur temps avec, monnayer leur corps avec de l'argent. C'est devenu courant aujourd'hui. Il y a des réseaux sociaux comme des OnlyFans où les femmes, ils montrent juste les pieds, mais il y a des personnes qui vont dans ces sites-là pour leur donner de l'argent, pour leur encourager. Ah, c'est moi, je critique pas, hein, je critique pas. Moi, chacun fait ce qu'il veut, mais sauf que moi, je parle surtout à ma génération. Dans notre génération, c'était des choses qui étaient impensables. C'était des choses qui étaient impensables. Et aujourd'hui, moi, je préférais montrer à mes proches comment gagner l'argent rapidement. Hein, comment gagner rapidement l'argent. C'est simple. Tous les jours où tu vas au travail pour aller travailler, les 2 premiers mois, 2 premières semaines, tu vas sentir que tu ne connais pas le boulot. Mais au bout de 6 mois, tu vas acquérir quelques expériences. Au bout d'une année, tu seras expert dans ton boulot. Mais le premier jour, tu avais des difficultés. C'est aussi l'argent, c'est comme ça. Quand tu ne t'intéresses pas à ce sujet-là, tu ne pourras pas savoir comment l'acquérir. Si tu t'intéresses pas au sujet de business, tu ne pourrais pas l'acquérir. Si aujourd'hui tu passes beaucoup de temps à regarder des conneries sur Internet où tu ne vas pas acquérir des connaissances qui vont t'avancer ou qui vont t'ajouter encore un plus dans ton corps, tu perds que ton temps. Et je suis sidéré parce que j'ai des amis de mon âge qui se prennent vraiment à la tête avec les jeunes filles des années 2000. Ah oui, hein? Des meufs, des jeunes filles de 18 ans. Aujourd'hui, tu vas voir des mecs de 35 ans, de 45 ans, de 38 ans, de 32 ans. Ils veulent aller avec des filles de 18 ans. Mais une fille comme ça, tu vas faire quoi avec? Tu vois que comme t'embourber. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup plus de séparation? Des couples ne durent pas plus de 2, 3, 4 mois, plus de 2 ans. Ça ne dure plus. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un problème d'éducation. Pourquoi aujourd'hui les jeunes africaines, ils préfèrent être miroités? Tu sens que on vous montre un guet-apens, on te demande, va chercher, tu vas juste accompagner quelqu'un, on va te donner 100 euros, on va te donner 200 euros pour passer 30 minutes avec quelqu'un. Vous trouvez que l'argent facile, c'est comme ça qu'on la gagne? Hein? Moi, j'ai dû économiser plus de 65 euros pendant plus de 3 ans pour voyager. Mais faisons attention à nos enfants. C'est un piège Internet. Internet, tu peux bien te former facilement sur Internet, mais Internet aussi, ça peut te rendre aussi dépendant sur certains trucs qui ne va juste te tourner en rond. Tu as comme l'impression que ta vie, tu tournes tout le temps en rond. Tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Pourquoi? Aujourd'hui, le scandale de Porto Party à Dubaï, c'est triste de voir des femmes accepter d'avaler des urines, accepter d'avaler des cacas, des personnes auxquelles, juste parce qu'ils t'ont dit qu'ils vont te donner 1 million, mais c'est pas comme ça l'argent. Et aujourd'hui, il y en a une, elle s'est suicidée, elle s'est lâchée sur le haut de l'immeuble, paix à son âme. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sentie trahie. Pourquoi? Parce qu'elle a senti que l'acte qu'elle a posé n'était pas un acte raisonnable. Hein? Elle a sali tout un continent. Elle a sali tout un pays comme l'Ouganda. Et toujours nous, les Noirs, dans ces scandales-là. Parce que pour nous, on pense qu'aujourd'hui, pour gagner l'argent, il faut aller sur ce chemin-là, le chemin le plus rapide. Il n'y en a pas que elle. Il y en a certains qui font surtout sur les marabouts. Pour aller penser que c'est là-bas qu'il va avoir le bonheur. Il y en a qui sacrifient leur famille pour de l'argent. Mais c'est triste aujourd'hui. Au lieu de créer une entreprise, même si tu vas galérer pendant 2, 3 ans, mais au moins tu l'as créé. Au cours de route, tu vas acquérir de l'expérience. Mais ça sert à quoi aujourd'hui d'aller ouvrir ta gorge pour avaler un truc déféqué de matière fécale? Mais c'est des choses que moi, j'ai jamais pensé. Mais aujourd'hui, les images sont là. Sur YouTube, hein. Les images sont là sur Twitter, les images sont là sur Facebook, les images sont là sur TikTok.
Hein? Et c'est quand vous voyez les images, j'étais avec des amis, ils avaient du mal même à regarder des images. Tellement c'était dégueulasse. Mais les femmes d'aujourd'hui, c'est ça. Voilà.